Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode sur la série La Ferme Céréalière. Donc voilà, la série va s'arrêter sur cet épisode tout simplement. Voilà, série qui commence à s'essouffler un petit peu. Voilà, depuis le temps qu'on est dessus, c'est vrai que c'est une série qui commence à s'essouffler un petit peu. Il est temps de passer à autre chose, hein, je pense. Donc bien évidemment, je vous ai prévu une nouvelle série juste derrière qui va arriver très très vite sur la chaîne. J'ai trouvé une map assez sympathique pour refaire une nouvelle série tout simplement. Et j'espère que la nouvelle série vous plaira. Hein. J'ai trouvé un, voilà, j'ai essayé de trouver un concept assez histoire de changer, de renouveler un petit peu. Donc voilà, il est temps de passer à autre chose, je pense, au niveau des vidéos. Voilà, refaire une nouvelle série, je pense que ça va redonner un petit peu de changement, un petit peu de changement à la chaîne. Donc voilà les amis, donc dans cette dernière vidéo, bien évidemment j'ai remis le fond vert. Bien, ça fait, ouais, j'avais un peu de mal à régler le fond vert sur le nouveau PC. Je vous avais déjà mis une fois le fond vert sur l'ancien PC, mais la caméra n'était pas top. Parce que là, voilà, j'ai réussi à régler un petit peu près la caméra comme je voulais. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire du fond vert. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, sachant que voilà, c'est pas évident parce que je suis sur PC portable, donc c'est la caméra qui est intégrée au PC, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais niveau qualité, elle est pas trop trop dégueulasse la caméra. Je trouve qu'on a une bonne qualité. Donc voilà, j'ai essayé de régler un peu, voilà, au mieux, pour vous remettre bien évidemment le fond vert. Vous étiez nombreux à vouloir que je remette le fond vert dans mes vidéos, donc voilà, c'est chose faite. Vous me direz bien évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Mais là, d'après ce que j'ai vu, la qualité, j'ai réussi à régler la caméra pas trop trop mal, et la qualité est pas vilaine pour moi. Enfin bref. Donc voilà, dans cette dernière, dans cette dernière vidéo sur cette série, on va bien évidemment découvrir ensemble le dernier achat de la série. Donc il s'agit d'un tracteur, voilà, un nouveau tracteur sur la série. Pour terminer cette série, un beau tracteur qui fait plaisir, voilà, pour terminer. C'était prévu, je l'avais prévu, mais voilà, pour terminer cette série, je trouve que c'est pas mal d'avoir un nouveau tracteur. En plus, voilà, c'est pas n'importe lequel, donc il s'agit d'un 15 Magnum AFS Connect. Donc AFS Connect, c'est exactement en tout cas, AFS Connect, c'est les dernières générations de Magnum. C'est comme l'Optum. Optum, c'est un AFS Connect aussi. Donc les voilà, dernières générations de Magnum, qui fait plaisir. Donc je l'ai pris en 435 chevaux. Donc autant vous dire du coup que ce tracteur devient le tracteur de tête de l'exploitation. 435 chevaux, je pense que niveau puissance on est pas mal. Sachant que l'Optum fait 300 chevaux, c'était le tracteur de tête de l'exploitation. Et là du coup le Magnum devient le nouveau tracteur de tête de l'exploitation. Donc il fait quand même 135 chevaux de plus que l'Optum. Donc écoutez les gars, c'est plutôt pas mal. En plus il est très très joli, hein, vous l'avez vu sur la miniature et dans les posts que je vous avais mis sur les réseaux sociaux. Donc dans cette vidéo, bien évidemment, pour terminer la série, on va se servir du nouveau tracteur. On va se servir de ce petit Magnum là, qui franchement il fait super plaisir, il fait un bruit magnifique en plus. Donc dans cette vidéo, on va continuer de déchaumer cette parcelle là que j'ai commencé à déchaumer, vous voyez, en off. Donc j'en ai fait une bonne partie là. On est dans la grande parcelle de 10 hectares qui est juste derrière la ferme. Donc dans cette vidéo, on va continuer un petit peu de déchaumer le. Donc, je vous laisse écouter un petit peu le bruit. Franchement, il fait vraiment un bruit magnifique ce tracteur-là. Et on est parti pour continuer. On va se mettre un peu en vue intérieure. Mais même en vue intérieure, il est pas dégueulasse, hein. Il est très très propre, hein, ce tracteur là. Alors ça c'est un mod que j'ai trouvé sur King Mod. Franchement un très très beau mod, hein, ce Magnum, pardon. Donc après voilà, niveau intérieur, il a exactement
Bah, c'est un AFS Connect, il a exactement le même intérieur que l'Optum. Vu que l'Optum c'est exactement le. C'est un AFS Connect aussi, c'est la dernière génération de cases. Hein. C'est les derniers qui sont sortis avec les nouveaux intérieurs, avec l'écran sur le montant. Donc voilà, pour terminer cette série, bah, je trouve que bah, il fait plaisir ce nouveau tracteur. 435 chevaux, je pense qu'on est pas mal là, il doit se promener avec le. Donc on a le cultivateur en. Alors ça c'est un culti que j'ai pris en location, donc le cultivateur Cookerling en 8 mètres. Donc ce cultivateur là, il demande 320 chevaux, donc vous voyez au niveau puissance on est pas mal. Et bah, en deuxième partie de vidéo, on continuera également de semer un petit peu les champs. Bon, je vais rester un petit peu en vue intérieure pour extérieur pour voilà pour on va essayer de faire un peu les deux de vue extérieure et vue intérieure. C'est vrai que là niveau puissance sur la série on est plutôt pas mal. En plus c'est vrai qu'il fait un bruit donc ce tracteur là il a lissé. Bon, après bon il est lissé c'est vite fait il a. On peut juste ouvrir la porte, bah, la porte gauche avec le clic de la souris. Mais sinon, ouais, niveau IC, à part la porte, c'est tout ce qu'il y a. On peut pas ouvrir le reste. Mais bon. Après, c'est vrai que niveau intérieur, ce tracteur-là est très très propre. Il n'y a rien à dire. Hein. Avec le petit écran là-bas, la cartographie, du GPS. C'est plutôt bien fait, alors ça c'est une option, hein. Vous pouvez mettre des écrans un peu partout là-dedans. C'est plutôt, ouais, plutôt joli, et moi j'ai mis l'écran voilà, avec le GPS. Donc on va finir de déchaumer cette parcelle-là, vous voyez, il ne nous reste plus grand-chose. Et en deuxième partie de vidéo, ben, on continuera de semer avec l'Optum. Donc dans cette parcelle-là, je suis en train de semer du tournesol, je crois, ou du maïs, du tournesol, je crois. Vu que c'est la parcelle la plus grande. J'ai bien évidemment semé bah, la culture qui rapporte le plus, même si c'est la fin de la série. Voilà, je continue dans le. Voilà, je continue parce que là-bas, je devais pas arrêter la série, mais quand j'ai vu que le niveau des vues, c'est. Bon, après, c'est normal aussi. Hein, au bout d'un moment, je pense que. On commence à se lasser un petit peu. Hein, c'est normal. Donc, c'est pour ça que je me suis dit. Il est temps de passer à autre chose au niveau de la chaîne, de refaire une nouvelle série pour redonner un petit coup de neuf, j'ai envie de dire, un petit coup de renouveau à la chaîne. Donc en tout cas, bah, j'espère que la série, la nouvelle série vous fera plaisir. Donc normalement la nouvelle série devrait débuter normalement samedi. Si j'ai le temps de vous tourner l'épisode, il faut que je prépare la partie aussi parce que la partie n'est pas prête. Enfin, n'est pas tout à fait prête. Donc voilà, il faut que je peaufine encore un petit peu le début de la série sur la nouvelle map. Et ensuite, voilà, dès que j'ai réussi à peaufiner un petit peu la nouvelle série, ben, je vous tournerai le premier épisode. Alors, je vais essayer de vous le tourner pour ce week-end. Normalement, ça devrait passer. Donc normalement ouais le premier épisode de la nouvelle série devrait sortir samedi normalement si tout va bien. Là cette semaine j'ai un petit peu le temps de vous faire des vidéos donc bah, j'aurai le temps d'avancer un petit peu sur la nouvelle série et de préparer la nouvelle série comme il faut. Hop. Donc là il nous reste. C'est vrai qu'il. Je sais pas ce que vous en pensez du bruit, mais il est vraiment monstrueux ce tracteur-là. Là, niveau puissance, on est quand même vraiment très très bien niveau puissance. En plus, c'est vrai que les nouveaux Magnums sont quand même très très beaux. Donc, ça, c'est. Sur ce Magnum-là, c'est une boîte PowerShift. Vous allez l'entendre quand on va aller sur la route, il passe les vitesses. On entend bien qu'il passe les vitesses. C'est plutôt agréable.
Voilà, la parcelle normalement est finie de déchaumer. Bon, ce qu'on va faire, on va ramener le magnum à la ferme. Je vais me taire un peu pour que vous écoutiez bien le bruit des passages de vitesse. Voilà, donc je me tais, on va rentrer à la ferme sur la route et vous allez écouter. On entend vraiment les vitesses se passer. Donc c'est plutôt sympathique d'entendre les vitesses se passer. Moi j'aime bien qu'on entend les vitesses des tracteurs se passer comme ça en power shift là, c'est plutôt appréciable. Bon écoutez, je pense que voilà. Vous voyez, j'ai également le Puma qui est au rouleau. Ce qu'on va faire, vu que c'est la fin de la série, on va continuer d'utiliser le nouveau tracteur. Ce serait dommage de pas l'utiliser. Par contre, il fait un bruit monstrueux. Je vais baisser le son du casque. Donc, on va décrocher l'Optum. Comme ça, pour la fin de la série, on va utiliser le plus possible le nouveau tracteur. Hein, celui-là, on va le laisser, on va le remettre à l'abri. Hein, on va le remettre ici, il sera très très bien. Donc là, c'est vrai que niveau matériel sur la série, on a quand même du beau matériel. Bon, je vais switcher, ça ira plus vite. On va éteindre les gyrophares. On va se remettre le GPS. Normalement, il est déjà réglé, si je dis pas de conneries. Non. Ouais, le semoir, du coup, ce semoir-là, il fait 9 mètres. Donc voilà, c'est un semoir, semoir que j'ai pris en location aussi. Donc, semoir. Une planteuse du coup j'ai pris comme de la dernière vidéo, j'ai pris celle qu'on avait choisie dans la dernière vidéo, donc la planteuse en 9 mètres, et on peut rouler à 18 km heure avec. Donc là c'est vrai que niveau débit de chantier avec la planteuse là, on a quand même un beau débit de chantier. Donc là bien évidemment le Magnum 435 chevaux, je pense qu'il se promène hein, là, je pense qu'il est en rodage, hein, donc on lui en demande pas trop. Voilà, pour finir la vidéo, on va rester sur la planteuse. On va continuer de semer tranquillement notre tournesol dans cette parcelle. Donc après, voilà, vous voyez, j'ai déjà fait un bon bout en off. C'est vrai qu'il est. Vous me direz en commentaire bien évidemment ce que vous pensez du nouveau tracteur. Et c'est vrai qu'il est plutôt joli, mais j'aime bien. Et là je pense que pour cette série là, pour le coup, je pense qu'on aura réussi à faire vraiment une ferme céréalière. Hein, c'était le but de la série de partir de rien et de finir avec du gros matériel. Et vraiment de faire le concept de la ferme céréalière, et je pense que j'ai réussi le je pense qu'on a réussi l'objectif hein, de voilà. Après j'ai remarqué que ce tracteur là, bon après il a des chevaux c'est vrai, mais il consomme quand même pas mal d'eau. Là vous voyez, là il a presque 2 heures en jeu d'utilisation. Et on est des. Il nous a déjà descendu la moitié du réservoir de carburant.
Donc après, bon, j'ai mis les paramètres de consommation en élevé, mais il nous a quand même descendu bah, quasiment la moitié du plein. Donc, bon, après, voilà, on peut pas tout avoir, hein. Bien sûr, un tracteur qui fait 435 chevaux, bah, faut bien lui donner à boire, hein. Donc voilà, on va utiliser ce tracteur bah, jusqu'au bout, comme ça on aura terminé cette série en utilisant bah, le plus possible le nouveau tracteur, hein, au moins. Mais on aura fait quand même, moi franchement, je suis très content de cette série, on aura fait quand même une très belle série sur cette map-là, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment kiffé faire cette série-là, puis partager cette série-là en vidéo avec vous. Donc c'est plutôt on aura fait une belle série franchement. Et je crois d'ailleurs que c'est la série la plus longue que j'ai faite depuis que je fais des vidéos. Bah, pas la plus longue en termes d'épisodes, parce que là on a 20 épisodes. J'ai déjà fait des séries qui étaient plus longues qui avait plus d'épisodes, mais en temps qui durait moins longtemps. Celle-là, on a fait 20 épisodes, mais c'est quand même une série. Ça fait 3 mois qu'elle dure. Donc en termes de temps, c'est la série la plus longue que j'ai faite depuis que je fais des séries, enfin, depuis que je fais des vidéos. Donc en termes de temps, ouais, 3 mois pour une série, 3 mois, bah, je trouve que ça fait peut-être un peu long. Mais voilà, bah, je me plaisais tellement sur cette map-là et bah, je prenais tellement plaisir à faire cette série-là que bah, moi je me lassais pas du tout. Mais bon, quand il arrive un moment, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, hein, c'est une série qui a débuté, le premier épisode avait fait presque 3000 vues, non, 5000 vues le premier épisode, pardon. Donc 5000 vues, c'était énorme. Ensuite, bah, il y a eu toutes les vidéos au début faisaient de 2000 vues, 2500 vues. Ensuite, arrivé au milieu de la série, vers le 15e épisode, bah, toutes les vidéos faisaient bah, 1000 vues, voire un petit peu plus. Mais il n'y avait pas de vidéo qui faisait en dessous de 1000 vues. Et là, ça fait 2-3 vidéos sur la série là que bah, commence à chuter au niveau des vues. Donc là, je me dis que ça vous plaît plus trop. Donc il est temps de passer à autre chose. Hein. C'est comme ça qu'on voit que bah voilà que les vidéos vous plaisent plus trop. C'est que quand on voit les vues chuter et qui remontent pas, bon, ça arrive des fois qu'il y a un épisode qui plaise moins que d'autres ou qui est moins vu que d'autres. Mais quand ça commence à durer comme là. Là, je fais des vidéos qui assez descendu à 500 vues, 400, et là, la dernière vidéo qui est sortie, 300 vues. Donc, 300 vues, on était presque à plus de 1000 vues avant. Donc là, voilà, on se dit je pense qu'il faut passer à autre chose pour renouveler un petit peu redonner un petit coup de frais à la chaîne, et je pense que ça fera pas de mal, mais moi, ça me fera plaisir bah, de refaire une nouvelle série sur une nouvelle map, voilà, pour voir autre chose, parce qu'après, voilà, bah, sur du farming, on est quand même assez limité, hein, on est très très limité, voilà, il arrive un moment, même si on essaie de diversifier les vidéos, il arrive un moment, bah, ça tourne en rond, bah, c'est du farming, hein, donc, en termes d'activité, on est très très limité, hein. Même on essaye de faire, enfin, en tout cas moi j'essaye de faire des vidéos diversifiées, pas toujours faire la même activité tout ça. Et malheureusement, il arrive un moment, bah, on finit quand même par tourner en rond, hein, sur les séries. Là c'est vrai qu'on sème, on récolte, on ressème, on récolte, on ressème. Voilà, et surtout sur cette carte-là c'était difficile parce que une série qui était difficile à faire parce que bah, vu la taille des parcelles, il fallait que j'avance beaucoup en off. Donc bah, c'était pas simple, hein. Il faut trouver le temps de pouvoir avancer sur la partie en off avant de vous retourner la vidéo. Donc
c'était pas simple. Et puis bon voilà, il arrive un moment et ben on finit quand même par tourner en rond sans le vouloir. Hein. Voilà, c'est du, on reste sur du farming, c'est limité. Surtout que sur cette série-là, on n'avait pas les animaux. Donc c'est vrai qu'au niveau des activités, ouais, on était un peu limité. Hein. Donc là, la prochaine série, bien évidemment, il y aura les animaux. Donc bah, il y aura déjà des activités en plus qu'on pourra faire. On aura les vaches, donc là déjà. Donc là, c'est vrai que quand on a que des champs, qu'on n'a pas de. Et ça circule ici. Voilà, quand on a que des champs et qu'on n'a pas d'animaux, et ben on reste quand même très très limité au niveau des activités. Et du coup, bah c'est pas facile, hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. En tout cas, bah voilà, j'espère que c'est une série que, bah, qui vous a plu quand même. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire bah, ce que vous avez pensé de, bah, de cette série-là. Si malgré que en termes d'activité, on était très réduit. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de ce que vous avez pensé de cette série, si elle vous a plu malgré tout ou pas. Et puis voilà. Donc bah, j'en profite également pour vous dire, pour ceux qui n'ont encore pas précommandé le DLC Platinum, bah, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à utiliser, après, bah, du coup, à commander le DLC Platinum avec mon code partenaire Eddie Farmer, bien évidemment. Vous savez que je suis partenaire Giant depuis peu. Et voilà, pour ceux qui souhaitent me soutenir, bah, n'hésitez pas à utiliser, bah, à commander le DLC Platinum avec mon code Eddie Farmer. Et bah, vous avez le lien, pour ceux qui souhaitent le commander, vous avez le lien en description de la vidéo. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent me soutenir, c'est vrai que ceux qui précommandent comme ça le DLC ou bah, les DLC ou Farming, et bah sachez que ça nous soutient, ça soutient énormément la chaîne. Donc bah, je remercie tous ceux qui le feront comme d'habitude. Donc là, niveau semences, on est bientôt à sec. Donc on va vider le semoir et puis je pense qu'on s'arrêtera là, les amis. On va pas faire pour le dernier épisode, on va pas faire un épisode trop trop long. Hein. On va vider le semoir, il n'y a plus pour longtemps. Et voilà, le semoir est vide. Donc voilà les amis, on va se quitter là pour cette vidéo. Donc bah, j'espère que le nouveau tracteur vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire bah, en commentaire ce que vous avez pensé du nouveau tracteur pour terminer la série. Donc, je pense que voilà, on aura fait pour ma part, on aura fait bah, une très belle série. Peut-être un petit peu longue au niveau du temps. 3 mois sur une série, ça fait peut-être un peu long. Après en termes d'épisodes, en termes d'épisodes, ça reste correct. Hein. 20e d'épisodes pour une série, c'est. Bah pour ceux qui me suivent depuis le début de ma bah le début de ma chaîne, rappelez-vous la série que j'avais faite sur FS19, ma ferme en Isère. On avait fait 22 épisodes, mais la série avait duré moins longtemps parce que bah voilà, il y avait peut-être un peu plus d'épisodes qui sortaient dans la semaine. Donc la série avait duré en termes de temps beaucoup moins longtemps. Mais bon voilà les amis, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, hein. Comme je vous l'ai dit, surtout que voilà, YouTube, c'est pas mon métier premier. J'essaye de faire au mieux avec ce que j'ai. Voilà, donc bah, et puis je pense que l'objectif de la série a été atteint. Hein. On est quand même parti de rien. En no cheat, on est parti avec le matériel de base. Et on a réussi à développer la série pour avoir bah, une ferme céréalière tout simplement. Donc avec du gros matériel, on a réussi à acheter des champs. Donc voilà, pour moi l'objectif est atteint. Je pense que
partir de rien et on finit vraiment avec du gros matériel, des gros champs. Donc pour moi, l'objectif de devenir une ferme céréalière a été atteinte, c'est nickel. Donc voilà les amis, j'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série-là, si ça vous a plu, si vous l'avez trouvé peut-être un peu longue. Dites-le moi également, ça me servira pour les prochaines, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fond vert en vidéo, si ça vous plaît ou pas. Dites-moi exactement, dites-moi tout simplement ce que vous pensez du fond vert. Si malgré que je sois un peu malade, je dois avoir une sale tête, mais bon, comme on dit, là c'est l'hiver, c'est assez compliqué. Je pense qu'on est tous pareils, on est tous un peu malades, on a tous une tête de fracassé, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire les amis, ce que vous pensez de cette série. Est-ce que vous pensez également du fond vert, si je le laisse, si je le garde? Si vous voulez que je garde le fond vert, je pense qu'il va rester. Il va rester sur la prochaine série. Sur toutes mes vidéos, il restera. Je pense que la qualité en plus c'est pas trop mal. Pour ceux qui vouliez que je mette le fond vert dans mes vidéos, je pense que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si on le laisse ou si je l'enlève comme avant. Et puis voilà. J'espère que cette série vous aura plu, les amis, que ce dernier épisode avec le nouveau tracteur vous aura plu également. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour le début de la nouvelle série. C'était DiFarmer. Ciao, les amis!